Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Euh, bienvenue dans l'émission balade, randonnée et découverte euh, sur Ivre 54, bien évidemment. Et aujourd'hui, ben, nous continuons notre périple le de l'Orne. Alors nous espérons faire Jeuf, et nous sommes aussi à Jeuf, et nous rendrons sur Moyeuvre, Moyeuvre Grande. Alors, ici à Jeuf, nous sommes en Meurthe-et-Moselle et nous irons en Moselle en arrivant à Moyeuvre. On est sur le pont qui enjambe euh, l'Orne et nous allons nous rendre euh, dans, Jeuf, dans Jeuf et voir les, les anciennes euh, forges qui existaient ici à, à Jeuf. Hein. L'usine de Jeuf a connu euh, deux divisions d'eau fourneaux. L'ancienne division comptait jusqu'à 9 hauts fourneaux. 9 au fourneaux, fourneau, c'était énorme. Les deux premiers étant mis en feu le jour du 11 mai 1882. C'est alors la montée en puissance de la division qui compte 8 hauts fourneaux en 1914. Alors, les usines de Jeuf et de Moyeuvre ont été conçues de façon à permettre une éventuelle extension. Cette partie de la vallée était précédemment occupée par le, la sinuosité de l'Orne et par le crassier des anciens hauts-fourneaux. Alors ces hauts-fourneaux étaient mis en, en feu en, le 31 juillet 1961 et jusqu'en juin euh, 1964. Ces hauts-fourneaux ont produit 1 230 000 tonnes de fonte en 1973. Après avoir connu des campagnes intermédiaires, il s'arrête dé définitivement le 23 décembre 1988 et le 10 novembre 1989. Nous sommes montés euh, au-dessus de Joffre, là, et nous sommes sur la, la voie verte, et nous sommes euh, dans, les, dans les bois où il y a le château de, de la dynastie des Saint-Vandel. C'est eux qui ont... Qui ont animé toute la vallée de l'Orne de avec leurs usines sidérurgiques. Et ils ont été même faire des usines sidérurgiques à Ayange. Et cette usine d'Ayange est la seule usine encore qui reste en activité et qui fait des rails de plus de 100 mètres de long. Ici, bah, dans, cette, dans cette vallée, eh bien, il y avait toute une série de hauts fourneaux. Et les hauts fourneaux se sont construits et seulement après, il y a eu euh, la ville de Geuf qui s'est construite autour de ces, ces hauts fourneaux de, de l'Orne. Et c'est pour ça aussi qu'on a appelé la, la, ville, la ville usine pour euh, Jeuf et Homécourt. C'était des villes usines. Alors c'est ici qu'on qu produisait le plus de, de rails pour toute la France. Hein. Et ces usines ont produit 30 000 tonnes de, de rails. Nous sommes ici à, au terrain de, de football euh, euh, Platini, parce que Platini est né ici, Michel Platini est né ici, à Jeuf, en 1955. Et il a commencé à jouer, à jouer au foot ici, la première licence à Jeuf, et ensuite, il a fait une carrière euh, euh, formidable. Euh, il a été au club de Nancy Lorraine et pendant sept ans. Ensuite, il a été à Saint-Étienne, la grande équipe de Saint-Étienne de l'époque. Et ensuite, il a fini euh, sa carrière à, à l'inter de, de Turin. Euh, et d'ailleurs, il y a eu un match ici. Euh, euh, grâce à, à Michel Platini, le, en 2009, il y a eu un match euh, inter de, de Turin contre, euh, contre la S-Nancy-Lorraine. Alors, euh, on a donné le nom de ce stade de Joffre au nom de Aldo Platini, c'était le père de Michel Platini. Hein. Et l'inauguration s'est faite le, le 21 novembre 2009. Alors Michel Platini, après sa, sa péripétie, il a marqué 359 buts euh, dans toute sa carrière. Et après cette carrière, il a fini quand même comme entraîneur en être entraîneur de l'équipe de France. Et il a aussi il a, ensuite, il a été euh, à l'UEFA euh, comme dirigeant, l'adjoint de Platers. Et normalement, il devait se présenter. Et il y a eu un petit scandale. Euh, euh, ensuite, mais ben, il a été gracié par la suite. Nous sommes euh, au-dessus de, de Jeuf, la, la ville de Jeuf. Alors, euh, la communauté la commune de communes de Jeuf, euh, c'est toujours pareil, c'est Orne-Confluence. Alors, Jeuf, c'est une ville de 6600 habitants et à l'époque euh, de la sidérurgie et des mines, et il y avait plus de 15 000 habitants. Hein. Ça a bien fondu. Hein. Il y a d'autres personnalités que Michel Platini ici. Encore un footballeur, Claude Dosda, hein, qui joue à Metz, et puis après, il a été un international aussi, euh, français, né en 1929, à Jeuf. Euh, il y a aussi un dessinateur et auteur de bande de, de BD, euh, Régis Hector. Et il y a un écrivain et journaliste, Jacques Dillon. Alors nous venons de joffre et sur le, le sentier qui nous a amenés à Moyeuvre-Grande. Alors ici c'est la communauté de communes Orne-Moselle parce que nous sommes en Moselle ici. Hein, nous avons passé la, la frontière tout à l'heure et nous sommes en Moselle. Alors voilà, on marche le long de, de l'Orne hein, toujours. Hein. Et il y a un beau chemin qu'on peut suivre. Et puis on est toujours un peu en, en forêt, c'est bien agréable. Bah, le soleil manque un peu aujourd'hui, c'est un peu brumeux, mais sinon c'est un beau petit coin. Et on peut bien marcher le long de ce cours d'eau. Alors là, nous sommes à Moilleuvre Grande et il y a aussi Moilleuvre Petite. Mais le cours d'eau ne passe pas à Moyeuvre Petite. Alors c'est pour ça qu'on reste sur Moyeuvre Grande. Nous sommes sur la grande place de Moyeuvre Grande. Et c'est une ville de 7665 habitants. Alors les habitants, on les appelle Moyeuvriens ou Modovériens. Nous sommes devant une église protestante réformée. Là. Euh, la première pierre fut posée le 25 août 1885 et inaugurée le 26 mai 1997. Euh, et l'église catholique, elle se trouve là-bas, c'est l'église néo Saint-Gorgon. Euh, la première pierre fut posée le 18 avril 1886 et inaugurée le 17 septembre 1987. Les personnalités de Moyeuvre Grande, euh, Françoise de Panarfieux, euh, femme euh, politique et ancien ministre, qui est né en 48. Denis Robert, qui était journaliste et écrivain, euh, 58, 1958. Et César de Petri, qui fut longtemps maire et député. Il fut maire de 1959 à 1983. Nous sommes rue de la Feille à Moyeuvre-Grande et il y a un dernier loup qui s'est fait tuer ici en 1627. Alors, un dernier vestige des mines et puis de la sidérurgie ici à Moyeuvre. Un beau café, le café de la mine. Et ben avec cette fameuse pandémie, j'espère qu'elle va s'éloigner bientôt et puis que. Euh, tous ces commerces-là, eh ben, ils revivent et puis que nous aussi, nous revivons avec eux. Alors, les forges, ça remonte à des temps anciens, mais en 1811, François de Vindel a acheté euh, le site et il a construit huit euh, hauts-fourneaux. À l'époque, il y avait huit hauts-fourneaux dans cette vallée de l'Orne, du côté de Moyeuvre-Grande. Euh, et ensuite, il a développé aussi les usines euh, dans, la, dans la vallée de la Moselle, euh, sur Ryange et, et le reste de la, de la Moselle. Et ces hauts fourneaux ici à, à Moyeuvre grande euh, se sont euh, fermés en 1968 et 1969. À Moyeuvre il y avait pas mal de mines euh, tout autour. Et les dernières mines de fer en exploitation qui étaient en France, euh, situées à Moyeuvre-Grande, seront closes en 1993. Alors, euh, bon, bah, j'espère que cette émission vous aura plu. Euh, puis c'est une belle région. On peut se balader tranquillement le long de l'Orne et découvrir euh, des villes et, et villages tout autour. Et on peut y venir en vélo, en roller et même en trottinette. Allez, à la prochaine, à de prochaines émissions, à plus tard. Portez-vous bien.